reborn. Wow! Bonjour les frères et sœurs. Bon lundi à tous. Nous venons de commencer une nouvelle semaine, un nouveau mois. Je prie que Dieu vous accorde les meilleures choses, toutes les meilleures choses, mes frères et sœurs. Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Soyez prêts. Avez-vous déjà entendu cette phrase qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Savez-vous ce que ça veut dire? Le savez-vous réellement? Ha! Vraiment, l'être humain fait beaucoup de choses sans que ça soit vraiment utile. Les gens font un tas de trucs sans que ça soit vraiment la solution à leurs problèmes, à leur situation. Parfois, dans ce monde-là, les gens font des trucs en se disant que c'est ce qui est à la mode. Ouais, c'est ce qui est à la mode, faisons ça parce que c'est ce qui est à la mode. Et Dieu nous donne le pouvoir de faire toutes ces choses. Ouais. Dieu nous donne le pouvoir, non? De faire tout ça. Allez, tu peux te lever et faire ce qui te plaît et faire ce que tu penses bon ou bien de faire. Et moi, je dis aujourd'hui que tout ce que tu vas faire là, à cause du pouvoir que tu as là, tu vas vraiment payer pour les conséquences aussi. Si ce sont de bonnes conséquences, alléluia, dis merci à Dieu, c'est bien. Tu vas dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Oh, j'ai construit une maison aujourd'hui, les gens dorment dedans. J'ai planté un arbre aujourd'hui, ça donne du fruit. Ça, c'est bien. Mais si toi, tu désires de juste fumer la drogue parce que tu peux le faire le jour où tu vas avoir overdose, ne te plains pas. Le jour où tu vas avoir overdose là, ne te plains pas. Personne n'était empêché de le faire, non? Les gens te donnent le vrai conseil, on te dit, oh, si tu fumes la drogue, on te met en prison. Tu dis, oh, mon conseil là, moi je fais rien à ça. Hey! Tu peux le faire. Mais le jour où on t'attrape aussi, ne te plains pas. Le jour où on t'attrape aussi, ne te plains pas. Si tu ne le fais pas, là, qu'est-ce qui va t'arriver? Premièrement, tu seras en bonne santé. Tu risques d'éviter beaucoup de maladies. Ouais. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu as le pouvoir de le faire. Mais les conséquences de ça, tu connais. Est-ce que c'était vraiment utile? C'est cette affaire-là qui fait que on nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, hein, mais tout n'est pas vraiment bon pour nous. C'est ce que ça veut dire. Tu peux faire beaucoup de choses, mais c'est pas forcément, ce ne sont pas des choses qui sont bonnes pour toi. Les choses que tu aimerais faire, quand tu vois les gens le faire, t'as, si tu as envie d'aller le faire aussi, tu te dis, oh, tu vas être à la moto, il faut que je fasse la même chose, mon ami. Ce que Dieu veut pour toi, c'est ce qui est bon pour toi. Moi, je te parle. On dit suivre les gens, c'est suivre le cercueil. Tu veux aller dans le cercueil ou quoi? Ha! Tu t'es permis. Mais tout n'est pas utile. Il y a des choses terribles qui existent dans ce monde. Des choses graves qui existent. Mon frère, je pouvais te dire en même temps, si tu fumes de la drogue, arrête-moi ça aujourd'hui au nom de Jésus. Que je te délivre. Si tu cherches les femmes des gens, mon ami, arrête-moi ça aussi. Effectivement, tu peux le faire. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire pour toi? Les conséquences derrière, tu connais. Les conséquences de ça, tu connais. Les gens aimeraient vraiment m'épouser plein de femmes. Moi-même, j'aimerais épouser plein de femmes.
Mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Parfois, on se pose la question de savoir où mettre la tête. Ça veut dire qu'avant de prendre une décision, non, il faut vraiment réfléchir deux fois. Non, 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 trois fois. Non, 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 toute la nuit. Toute la nuit. Parce que chaque décision que vous allez prendre là sera suivie de conséquences aussi. Quand on prend une affaire, on prend un produit, on dit « Oh, qu'est-ce que le produit vous offre comme bonheur ?» Et bien après, on vous dit « Qu'est-ce que le produit vous offre comme malheur ?» Même à la mairie, on dit « On se marie pour le meilleur, pour le pire. » Maintenant, moi, je dis « Ah oui, moi, j'ai lutté dans ma vie, je me suis tellement embrouillé avec les histoires pour ici. » Si on dit « J'ai réussi, j'ai dit « Marie, là, pardon, pardonnez, laissez-moi, c'est pour le bonheur, c'est pour le bonheur, c'est pour le meilleur. » Je ne suis pas prêt pour le pire, hein. Vous le dites en même temps. Mais, c'est la triste réalité. Nous devons affronter la chose juste comme ça. Le monde est vraiment gauche et droite. Tu as ton bras gauche, tu as ton bras droit. Tu ne sais même pas quoi choisir pour faire les trucs. De façon automatique, ta main bouge par-ci et par-là. Comme tu te dis, mais what? Que se passe-t-il? Comment se fait-il que j'agisse comme ça? Hey! Mes frères et sœurs, tout ça pour vous dire, c'est un nouveau mois qui a commencé. C'est un bon mois. Il y a beaucoup de bénédictions dans ce mois. Ouais, des vraies choses, des choses qui étaient arrêtées vont commencer à recommencer. Des choses vont commencer à bien bouger dans la vie des gens, dans la fête des gens. Ouais, à commencer par moi. Vous croyez que quoi? Hein, commencez par moi, là. Ou même vous n'allez pas me soutenir. Ou même vous n'avez pas fait donc me soutenir aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Même dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger une note où se trouve les informations bancaires pour les dons. Mais je vous dis, écoutez-moi bien. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ici, dans ce monde, dès que un nouveau vêtement vient de sortir, tout le monde coupe pour acheter le vêtement. Maintenant, tu portes le vêtement, toi, ça ne tente pas. Tu es là maintenant, tu te dis ah, pourquoi j'ai porté le vêtement et puis ça ne monte pas. Ma soeur, si tu as porté le vêtement, ça ne tente pas. C'est parce que ce n'est pas fait pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas tout ce que tu vois dans ce monde qui est bon pour toi. Tu vois toutes tes copines, elles sortent la nuit. Et on te tourne dans les boîtes de nuit. Toi, tu n'es pas fait pour ça, mais tu ne le sais pas. Tu es peut-être fait et créé pour Dieu, pour servir Dieu. Dieu ne veut pas te rencontrer dans les choses inutiles. Il veut que tu sois seulement en lui. Et ta manière de vivre montre clairement que toi, là, tu es une personne mise à part. Tu es une personne vraiment mise à part. Dieu fait beaucoup de grandes choses avec vous. Préparez-vous, apprêtez-vous et mettez-vous ces tirs. Dès que Dieu me donne l'information, je viendrai ici. Sûr, je ne serai pas là pour tout vous dire. Ouais, je suis le bateau de Dieu. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous avez bien compris, laissez un j'aime pour vous informer et abonnez-vous. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Dans la description, se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires. Merci à vous pour tout. Que Dieu bénisse et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.